Terminé le vintage, le girly, Romain Victoire est de retour. Je vais raser Vincent pendant qu'il dort. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Non. J'en veux pas que je dise ça, me mettre en calme. Dites adieu à Romain Victory et dites bonjour à Romain Victoire. Ça fait pas longtemps que j'ai ce dressing et j'ai déjà lui dire adieu. Je vais remplacer tout ça. Non, il n'est pas question que je remplace tout, il est hors de question que je fasse ça. Je suis rentrée dans un magasin il y a quelques jours et j'ai vu tellement de vêtements d'hommes magnifiques et je me suis dit, je serais vraiment un beau gosse si j'étais un homme, tu vois. Je vous ai partagé sur Insta cette idée. Je suis arrivée à Simons et il y a trop de vêtements pour gars que j'aime trop. Ce serait intéressant de passer 24 heures en homme. Dis-moi si ça donnerait quelque chose, tu as un potentiel assez intense. Hein ? Vous avez été nombreux à me dire go vas-y transforme-toi en homme, c'est ton moment. On va tester ce potentiel là, je sais pas s'il va donner quelque chose. Pour ceux qui connaissent pas Romain Victoire, c'est un pur BG. Enfin, je sais pas si c'est un pur BG honnêtement, je vous laisse juger par vous-même. La dernière fois en fait il ressemblait un peu à un PNL j'avoue, mais j'ai mes ongles, je peux pas les enlever. J'ai un restant de cils mais bon il en reste 3 donc c'est chill. J'ai mes cheveux aussi donc on va essayer de faire quelque chose avec ça, un origami genre. Donc c'est parti, je vais me transformer en homme pendant 24 heures. Évidemment les vêtements pour filles on peut les porter quand on est un homme, quand on est un homme on peut porter des vêtements de filles. Là je me transforme en Romain Victoire tout simplement. Je vais également devoir adopter des attitudes de garçon. Par là j'entends faire pipi debout. Mais du coup j'ai pas d'entonnoir. Je vais devoir viser, ce qui va être compliqué je pense. Par contre j'ai pas du tout de vêtements de gars dans ce dressing. Vous savez où est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher dans le dressing de Vincent. Ok, il va falloir que je trouve une tenue qui me parle. C'est vraiment pas gagné. Oh, c'est rose ça. Faut pas que ce soit n'importe quel gars. Faut que ce soit un gars avec mes goûts. On va essayer de me respecter un peu. Ça j'aime bien. Pink. Le gloss, au secours. Oh, c'est déjà une épreuve de passer ma tête dans une capuche. J'ai déjà un genre de swag, non? Qu'est-ce qu'il y a? En bas des blocs. Au calme. Bon, le bas ça va être une autre affaire. Non, parce que la taille des jambes de Vincent versus la taille de mes cuisses. Je sens que je vais adorer cette journée. C'est nice. Ok, l'idéal ce serait que je mette un jogging quand même. Mais Romain Victoire porte pas de jogging, non? Romain Victoire il a la classe quand même. Je vais mettre ça. Mais je suis pas très mec quand même. Parce que le problème du rose c'est que sur moi ça fait tout de suite super girly quoi. Ouais, je vais pas mettre ça. Oh non, l'épreuve de la capuche. L'épreuve de la capuche. La plus dure épreuve de Koh-Lanta. Ah non. Je sais pas, ça me semble bien là. Mais c'est sûr qu'il me faut une casquette. Ok. Bon, maintenant faut faire le make-up. L'idéal en fait, c'est faudrait que je mette des petits cheveux qui pendent d'une pieuvre. Astuce pour faire une frange. Toc. Et vous avez une frange. Oh my god, on dirait Donald Trump. Ça fait quoi? Il faut que j'arrive à me faire des traits, genre je sais pas trop comment je vais faire ça. Il me faut ma barbe aussi. C'est parti pour la barbiche. Je vais quand même prendre une barbe de ma carnation. Mais attends, je me fais quel type de barbe? Est-ce que je me fais un collier ou une grosse barbe? J'ai pas pensé à ce détail. Non, moi j'aime l'effet mal rasé. Je mets le bronzer exactement là où il faut pas, c'est génial. Bon, on a déjà une petite base sympa. Il va avoir un arrêt cardiaque quand il va se réveiller Vincent. Donc j'avoue que les points au crayon, c'est un peu grillé quand même. C'est pratique pour masquer les petits boutons. Comme ça ils sont au milieu de la barbe, on les voit pas. Tips. Bon la barbe faut la faire descendre un peu. Il y en a, ils en ont jusqu'au dos de pied. On va descendre parce qu'on est vraiment très mal rasé. Ah, j'ai quand même plus de barbe que certains mecs. Hein. Je suis vraiment trop un beau gosse. Faut la faire un peu genre irrégulière. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un alcoolique. En vrai je suis pas mal. Je vais peut-être me faire des petits bijoux. Des petits bijoux de famille. Moi c'est Romain Victoire. Je suis nouveau dans le quartier. Oh non, je sais, ça fait tellement fake. Faudrait que je me colle des poils. Je vais raser Vincent pendant qu'il dort et je vais coller ses poils sur moi. Oh ouais, c'est une bonne idée ça. Une chose à savoir, c'est que Romain Victoire adore cuisiner. Il cuisine de manière efficace. Sa cuisine, c'est de l'art tout simplement. Mais c'est moisi. Ah, Romain Victoire va pas manger. Mais c'est quoi cette barbe?
Il fallait bien que j'ai une barbe. Mais j'hésitais à te raser pour coller tes poils sur moi. Non. Je me suis inspirée de ta barbe. J'ai piqué tes vêtements. Ah, j'avais pas remarqué. Regarde Vincent, je suis une version de toi. Qu'est-ce que vous avez de mal en personne? Ah quoi? Là, genre, votre barbe, elle est tellement mal faite. Mais ça marche pas, genre, personne ne va y croire. Je sais ce que je vais faire, guys. Je vais mettre du charbon. Bah ouais, ça va marcher de ouf. Carbon coco, le charbon pour blanchir vos dents. Ça va trop bien. Et vous faire une barbe. C'est sûr, ça va marcher. Ça va marcher de ouf. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Oh non. Oh non, non, non. Mais oh c'est non. Juste, j'ai l'air vraiment très poilu quoi. Mais non, mais t'as pas l'air poilu, t'as l'air genre dégueulasse. Ici, ça part genre en dégradé, genre comme. Oui, faut faire un dégradé. Mais non, 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 mais non. Regarde ta barbe et regarde mais ma barbe. Laquelle est la mieux? Votez. Non, votez pas. Mais ici, tu vois, c'est plus foncé en général sur cette partie-là. Et là, après, ça s'éclaircit. Et là aussi, c'est un mais peu pourquoi tu me le fais pas? Je voulais une barbe pour faire tomber les minettes. Je vais rester comme ça. C'est mon propre style. C'est Romain Bûcheron maintenant. Pas du tout, c'est Romain Victoire. Non, non, vas-y, je suis un BG, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux te taper? Je veux pas me taper. Vous pourriez trop me salir. Oh, c'est méchant. Mais t'as vu ta barbe, c'est dégueulasse, Romain, tu vois. Vas-y là, tu tues pas. C'est qu'à chaque fois, la shape de Romain Victoire, elle est là, bizarre, ça va pas du tout. Ouais, c'est vrai que... Je vais marcher comme ça. Mais non, marche pas comme ça. Pour cacher la poitrine et les fesses, tu rentres la poitrine. Ouais. Tu rentres les fesses. Tu manges comme ça. Pas du tout, personne ne marche comme ça. Salut. Là on dirait une tarée. J'ai passé 24 heures comme ça. Je crois que je suis pensée, par contre. Je suis champion du monde de limbo pendant 24 heures. Je suis pas sûr de vouloir sortir avec une personne avec une barbe comme ça. Donc, vous choisir vos amis pour ce qu'ils ont au fond d'eux, pas pour l'apparence. Vous êtes quelqu'un de superficiel, monsieur. Yes, c'est ami de noir sur la chaise blanche. Bien joué. Crash Warder. Je l'aurais fait. Mais pourquoi tu l'as pas fait? De... Non, mais c'est trop tard maintenant. Je sens. Je sens un cambrioleur. Tu sais, genre les faux cambrioleurs. Ils les ont mal fait. Ah, c'est vrai. Et attends, parce qu'en plus, t'as marqué un truc dans le dos, genre style déménagement pour dire: hey, salut, viens, nous on est de la maintenance, on doit rentrer chez vous pour faire quelques réparations. Oh yeah. Bon, je vous avoue que ça commence à être un petit peu gênant. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, est-ce qu'on peut prendre juste des cafés en terrasse? Oui, bien sûr. Merci. Merci, monsieur. Je vous prends exactement ce que t'as dit. Ok. En vrai, je fais abstraction dès qu'il y a des gens et tout. J'essaie de me focus dans ma victoire, mais c'est pas évident. La honte m'atteint énormément. J'essaie juste de pas faire attention, sinon je vais mourir sur place. Du coup, j'ai beaucoup de chance parce que Vincent a choisi un mojito aux framboises. Je suis pas du tout crédible. Romain Victoire. J'ai toujours eu une énorme confiance en ma barbe. Hi, y'a Alex. Yo. Ça va gros? Tu vas bien la mif? Ok. Il faut faire quand on a un garçon. Ça me perturbe. Ouais, je suis sans sosie. Hein. Ça me perturbe vraiment beaucoup. Mais en même temps, elle a pris les mêmes affaires que moi, les mêmes cheveux. Ouais, mais comment elle est posée? Bah quoi? Je suis en train de checker mon lipstick, mais en fait, j'ai juste pas de lipstick. Pas j'ai une énorme fausse barbe, mais ça j'ai pas homme. De lipstick. Oh, je veux plus de voir ma tête là. Je ressemble un peu à un itinérant quand même. Je vais faire un FIFA avec les gardes. Ce qu'ils savent pas encore, c'est qu'ils vont être démoralisés parce que je vais très certainement gagner. Arrêtez de tacler, Roman. Vincent, elle m'a blessé un joueur. Putain, Roman. Boum. Non, mais c'est vraiment une bande d'abrutis. Quoi? Passe entre jambes. Boum. Putain, mais arrêtez de toucher. Elle est en train de tacler sur la manette. Par contre, leur maillot est un peu sale. Hein. Boum. Oh non. Bon update, j'ai perdu à FIFA. Combien? 8-0. A chaque fois que je FaceTime, j'ai l'impression que je vois Vincent. Bon, je vous avoue que j'ai hâte d'enlever ma barbe là, ça commence à me fatiguer. En plus, c'est du charbon, dès que je fais quelque chose, j'en mets partout. La nuit, je vais pas me filmer, ça va pas. Non, mais la nuit porte conseil par contre. La nuit porte conseil. Et je pense que je vais remettre en question ma vie. Ouais, c'est ça, la nuit porte conseil. Demain est un nouveau jour. Demain est un jour qui se lève. Dans ces fringues là, je me sens hyper à l'aise. Et pour une journée, tu vois, on s'entend.
Mais je me sens vraiment à l'aise, genre les mouvements sont agréables. Moi, vous êtes blesse. Tu peux genre faire plein de mouvements comme ça. Mmh. En tout cas, Romain Victoire, il a ses problèmes de fille. Ça, c'est pas cool. J'ai pas vraiment de pyjama pour garde. Toi, t'as des caleçons. Je vais devoir t'emprunter un caleçon. Nice. Moi j'aime vraiment le soir en plus être dans mes petits trucs. J'en veux pas que je dise ça, je vais me mettre en calbuc. Voilà mon outfit de ce soir. Cute. J'ai vraiment pas envie de porter ça ce soir. T'as pas de pyjama? Si, t'as ton pyjama lapin. C'est vrai que j'ai mon pyjama lapin, mais ça serait un peu triché vu que vous aimez. Bah non, c'est un outfit de gars. C'est un lapin gris. Oh oui. Merci. Romain Victor adore les pyjamas mignons. Je vais prendre votre caleçon. Oh, je suis refaite. Hein. J'ai vraiment pas envie. Comment il se met ce truc? Est-ce que les garçons ont 18 jambes ou... Oh merde. Celui qui m'a tout appris, mon inspiration au quotidien. Tu veux te foutre de ma gueule? Ah, oh, je veux pas voir ça. Oh mon dieu, faut pas que je regarde le retour. Je ressemble à ça. Romain Victoire en mode cute. T'es allé beaucoup trop loin cette fois-ci, Romain. C'est des choses qu'il faut pas faire. Ma barbe s'en va de plus en plus, ne faites pas attention. C'est tout simplement la vieillesse. Voilà. Hein. J'ai bien mûri, j'ai bien grandi depuis le début de cette vidéo. Tonight look. Je suis un homme, mais je sais aussi être mignon. Elle est bien, on voit, non? Oh, ma frange. Au début, c'était une frange un peu cute. Et maintenant, c'est rendu un moine, genre dégarni. Là, vous avez plus de barbe. Elle fuit vers le nord, genre loin. J'ai un début de calvitie ici. Rasez-vous, non? Ouais, j'aime raser. Rasage time. Mais en fait, étant donné que ma barbe n'est pas de la même consistance que les barbes des hommes normaux, je vais aller me raser sur ma vanity. Bon bah c'est parti. Hein. On sent déjà mieux. Et voilà, la journée de Romain Victoire était terminée. Il était temps pour lui de quitter la maison et de dire au revoir à tous ces beaux souvenirs qu'il avait construits pendant cette journée. Il laissait sa place à Romy Victory pour le lendemain. Il laissait derrière lui des joies, des peines, mais emportait avec lui tout un tas de beaux souvenirs. Il avait savouré cette journée comme Jaja et il était temps pour lui de tourner la page et de regarder vers l'avenir, de voyager. Car le voyage, c'est le meilleur moyen de se perdre pour se retrouver. Hasta la vista, baby. Parce qu'il arrive un moment dans la vie où nous savons exactement ce que nous voulons. Et ce que Romain Victoire voulait, c'était trouver le meilleur barbier du monde et suivre son enseignement. C'est décidé, rien ne peut l'arrêter.